Hello tout le monde les amis, c'est Gillian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le monde va mal les amis, je vous le dis, le monde va mal. Pourquoi? Parce que regardez, sur la map, regardez, nous avons un petit bar, voilà un bar très sympathique avec Blue et Red qui sont juste là. Regardez où on a carrément de la musique et autres, enfin bon, chute. Ah mon dieu, on peut même plus travailler tranquille. Donc regardez, on est tranquillement, voilà, à notre petit bar. Donc quelque chose de très sympathique avec une planche à découper, un petit frigo, la télé, un lavabo qui ne marche pas parce que j'ai pas mis correctement le truc. Voilà, et donc voilà, regardez, vous êtes à un bar et tout. Et là, par exemple, regardez, ici, Gisèle, voilà, Gisèle qui sera juste là, va nous dire Salut, j'aimerais une bière, s'il vous plaît. Et là, on fait comment, parce que moi, je vous le lis, là. Parce que dans le frigo, il n'y a pas de bière. Mais s'il n'y a pas de bière, on fait comment pour y servir une bière à Gisèle? Eh ben, on est con. Voilà, on est con. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un petit tuto, écoutez, tireuse à bière. Et vous allez voir, c'est très, très simple à réaliser. Voilà, aujourd'hui, ça part un peu en couille, je vous le dis. Donc, voilà, les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, petit tuto, tireuse à bière, voilà, sur la map. On sort le petit côté belge, la petite pelle forte, la petite délirium, voilà, on est content. Donc, écoutez, aujourd'hui, un petit tuto très, très simple, vous allez voir, et j'espère qu'il vous plaira. Bon, les amis, du coup, pour commencer ce petit tuto, vous allez voir qui est très très simple. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser donc l'endroit où on va vouloir rajouter notre magnifique petite tireuse. Donc nous, on va la rajouter ici, regardez, et on va rajouter un petit capteur de lumière du jour de cette manière-là. Et on va poser un bloc de quartz ici. Nous allons prendre un armor stand, voilà, que nous allons poser de cette manière. Attention, faites bien attention, bien aligné, bien droit. Toujours très important, on va casser un peu le toit, ce n'est pas très très grave, c'est un bar temporaire, de toute façon, avec ça à faire. On pose un petit crâne de Wither sur ta tête, et là, regardez, vous avez un petit porte-armure avec un crâne de Wither. Voilà, merci à tous, c'est tout pour moi, voilà. Non, ça va, on rigole, c'est de l'humour, moi je te le dis. Hop, on va prendre le petit piston, et on va prendre, écoutez, le petit bloc de quartz, qu'on va poser de cette manière-là, le petit piston, et ensuite, le petit bloc de redstone de cette manière-là, qui pousse. On continue encore une fois, encore une fois, voilà, le beau place qui est réalisé du côté du joueur français. On pose le piston, et on prend une plaque de pression en pierre. Donc aussi vous pouvez prendre une plaque de pression en fer, ça va très très bien aussi d'ailleurs. Donc là, ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on va rajouter donc ce qui va faire la tireuse à bière. Et pour ça, vous allez voir, c'est très très simple. On va prendre nos petits blocs de terre qui sont juste ici. Regardez, on va casser là, je vais vous faire un peu de place pour que vous voyez. Ici, vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser deux barrières en bois de cette manière là et un porte-armure sur le côté. Voilà, hop, faut qu'on arrive à le poser droit, voilà, c'est parfait. On va l'habiller de fer, de cette manière-là, et on va le pousser, écoutez, grâce à ce magnifique petit piston qui est juste là, le piston qui est toujours présent pour nous. Hop, petit sneak, on va se mettre comme ça, et là, on va le pousser si on y arrive, voilà, c'est parfait. Hop, et écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est le repousser. Mais avant de le repousser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter deux blocs. Regardez, on va monter tout ça, voilà, de cette manière-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire spawner un magnifique petit porte-armure de cette manière-là, avec les épaules bien droites, comme un rugbyman, moi je vous le dis. Et là, bien sûr, j'ai fait n'importe quoi. Hop, regardez, on va lui mettre un petit, voilà, stuff en fer bien sympathique. On va monter tout ça, voilà, hop. Je m'y suis mal pris, mais ce n'est pas très très grave. On va le pousser grâce à ce piston, voilà, toujours présent. On va casser en dessous de lui et normalement, voilà, il va tomber ici. On va refaire tomber tout ça. Regardez, on va faire tomber là. Voilà, c'est parfait. Maintenant, le but, ça va être de remplir tout ça. Donc, pour remplir tout ça, on va devoir reposer des blocs de quartz. Donc, regardez, on va y aller avec le piston de cette manière-là qu'on va pousser. Hop, qu'on va pousser et... Ah, le petit problème, c'est que là, vous voyez que c'est un bloc plat. C'est un bloc plat, donc c'est un petit problème. Donc du coup, vous avez un bug de lumière qui arrive très, très souvent. Donc pour ça, moi, ce que je vous propose, c'est de changer peut-être un peu la déco et de rajouter à la place des dalles, voilà, des dalles de bois, par exemple. Regardez qu'on va poser de cette manière-là. On va casser celle d'en dessous. On va casser le bloc, en fait, et en fait...
Le bloc de bois qui est là est considéré comme un bloc de dalle. Donc du coup il est un peu buggé. Donc là regardez, si vous voulez faire une cohérence, on fait ça sur le côté aussi, c'est très très beau. Hop, on fait ça, regardez, on va remettre la décoration. Si j'ai une trappe, je n'ai pas de trappe, mon dieu, quel est ce travail de sagouin. Moi je vous le dis, et pas de sagouin, attention Oxymos, hein, on connaît le poteau. Voilà, hop, regardez, donc là pour l'instant on a ça, mais là vous dites ouais c'est sympa, mais il manque quelque chose et tout. Déjà il manque ça, regardez derrière le frigo, attention, on peut pas, si on peut faire, on est professionnel, on veut faire les choses bien, on va le faire, voilà, hop, et là maintenant ce qu'on va faire c'est que il manque bien sûr, la petite tirette pour récupérer votre bière. Donc ce que vous allez faire c'est vous allez prendre votre petit piston de cette manière là, vous allez rajouter donc votre petite tireuse à bière, et pour la mettre dans le bon sens c'est un peu compliqué, mais vous allez voir. C'est très très simple, ce n'est pas compliqué, voilà, on a juste à faire. Non, c'était le bon côté, j'avais raison, mais voilà, le mec n'est pas certain de lui, donc du coup, qu'est-ce qu'il fait, il fait n'importe quoi, et donc du coup, regardez, il va poser un petit piston, voilà, avec un redstone, voilà, et encore une fois, et normalement, c'est terminé, regardez, j'ai fait n'importe quoi, c'était au-dessus. Voilà, regardez, c'est de cette manière-là qu'il faut la positionner. Regardez comme c'est beau, voilà, notre petite tireuse à bière. Donc là, si vous voulez limite faire la chose un peu plus réaliste, vous pouvez aussi rajouter, par exemple, prendre une petite pancarte et rajouter dessus. Bon, si vous le rajoutez sur line rod, déjà, ça ne peut pas marcher. Mais si vous marquez à côté, regardez, vous mettez une petite flèche de l'autre côté, si j'y arrive. Voilà, avec marqué Henneken, par exemple, Henneken... Delirium, on va dire ça, qui sont des bières très connues de la populace. Voilà, regardez, c'est très sympathique. Si vous voulez faire ça dans un bar, au moins, regardez, si vous faites le barman éclat, Gisèle vous demande est-ce que je pourrais avoir une bière, s'il vous plaît? Et là, bah, vous dites oui, madame, qu'est-ce que vous voulez, une Delirium ou une Henneken? Et puis voilà, pas de placement de produit, bien sûr, parce que même si j'ai là, j'aimerais bien être sponsorisé, hein, mais bon, par Henneken ou Delirium, écoutez, mon adresse est en description. Non, je rigole, c'est de l'humour. Humour, ça va, on rigole. En tout cas, voilà les amis, j'espère que ce tuto vous aura plu, un peu barré sur les bords, mais franchement très très sympathique. En tout cas, voilà, nous allons récupérer Blue et Red, venez avec moi les petits chiens. En tout cas, je sais pas où est situé Jaco, encore une fois, peut-être qu'il est rentré dans sa maison, je ne sais pas. En tout cas, voilà les amis, vous avez été nombreux la dernière fois à supposer qui était Blue. Eh bien, écoutez, Blue était le premier chien de ma chaîne. Et pas de ma chienne, attention. Le premier chien de ma chaîne. Et oui, parce que avant d'être Red, Red était Blue. Voilà, Inception et tout. Non, c'est quand j'avais à peu près 1000 abonnés. La chaîne était bleue. Donc du coup, mon chien s'appelait Blue. Et vu qu'on est passé au rouge, la chaîne... En tout cas, Red, bah du coup, c'est appelé Red. Blue s'est appelé Red. Et en tout cas, voilà les amis. J'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à le partager. Voilà, si vous a plu, de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo. C'était Red, Blue et Gillian. Allez, bye tout le monde.